Et tu vois, et la vie. Alors, Goné est parti, juste comme ça. Hey! La vie est très compliquée. Je crois que sa fille va rester avec toi. Elle n'a pas notre endroit où partir. Mata, t'es sûre de ce que tu dis? Aona, ne mets pas de mots dans ma bouche. S'il te plaît. Hein? D'après tout, combien de fois que Ugone est venue nous voir ici lorsqu'elle était en vie? Elle est morte. Et c'était ta sœur. Laisse son âme reposer en paix. Mais qu'est-ce qui est avec toi? Est-ce que je la dérange? Hein? Yeah. Oh. D'après tout, c'est bien la mort en question. Tout le monde sait que ta relation n'était pas du tout bonne. C'est pourquoi il ne voulait pas venir régulièrement à la maison. Aïe! Je comprends. Je comprends d'où provient le problème. Vraiment. Hey! Par moment, il faut arrêter de penser pour soi-même et commencer à penser à cette petite fille-là. Oh non, arrête-toi là. Assez. Je t'en prie, ça suffit. Je n'accepterai aucune insulte. Ça, c'est ma maison et je pleure ma sœur. Je t'en prie. La maison de ton père, tu veux dire? J'espère que je ne comprends pas bien le français. Mais je sais que le mot que tu as utilisé, ce n'est pas le mot que tu devrais utiliser. Ce n'est pas correct. Mais te voilà en train de te réjouir. Okachamara. Qu'allons-nous dire? Okachamara, sors de chez moi. Hein? Disparais. Oh. Sors de chez moi. Je vais partir. N'importe quoi. Hey, va-t'en. Lorsque les autres devenaient des professeurs, comme moi, je suis un professeur professionnel. C'est ce que je suis. Où étais-tu lorsque tes amis devenaient des professeurs? Dis-moi, où étais-tu n'importe quoi? Les mots que tu as utilisés ne méritaient pas cette place. Viens m'apprendre alors, non? Viens m'apprendre n'importe quoi. Qu'est-ce que tu connais, toi? Vas-tu dormir là dehors? Non, maman. Hein? Qui est ta maman? Suis-je plus âgée? Puis-je te mettre au monde? Hein? Pourquoi me regardes-tu comme si tu étais sourde? Hein? Puis-je te mettre au monde? Je te demande. Suis-je plus âgée? Non. Merci, tantine. C'est ce que je suis à ton égard, pas autre chose. C'est compris? Oui, tantine. Bien. Va à l'intérieur. Ne cherche pas ce que les gens disent que ta tante est mauvaise et t'a laissé à l'extérieur. Elle a laissé sa nièce à l'extérieur. S'il te plaît, va à l'intérieur ou... Allez, vite, c'est quoi? Allez, prends ça maintenant. Place les piles toi-même. C'est ce qu'on appelle torche. Pas d'électricité. Waouh! Pourquoi traînes-tu avec? C'est bon, j'ai allumé. Bien, éteins ça maintenant. Chaque jour, tu placeras ça là-bas. Et très tôt matin de chaque jour, tu sortiras pour l'éteindre. Je n'ai pas assez d'argent pour gaspiller. D'accord, tantine. Et pour cette lampe, tu peux l'utiliser dans ta chambre, cette petite lampe que tu vois là. As-tu compris, hein? Entendu? Oui, tantine. Ah! Oui! Mon Dieu! Cafard! Cafard, tu l'es, non? Elle a peur de cafard. Comment une personne peut avoir peur de cafard? Pourquoi es-tu fixe comme un statue? Hé, hey, tu le regardes ainsi. Hein? Prendre un balai. Et tu veux me laisser dans le noir? D'ailleurs, donne-moi ma torche. Donne-la-moi. Allez, va là-bas. Prends le balai dans le noir. J'ai appris que les enfants voient bien la nuit. Allez, vite, vite, vas-y, vas-y, vite. Aïe. La fille à maman. Ado Boudo Ibo.
Ada l'Américaine. Hey, Naël, je t'aime beaucoup. Regardez un peu cette beauté. Après vraiment tous ces efforts que j'ai eu à faire. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, je m'en fous. Hein? Je ne sais pas pourquoi est-ce que ces mots veulent me troubler. Hein? Troubler ma grammaire. Alors ainsi, un bon à rien. Sortez de ce village pour me dire, madame, je veux bien vivre avec toi. Hein? Avec cette beauté, avec cette classe. Hein? C'est quel niveau ça? Hein? Où est cette fille? Qu'elle vienne faire entrer ça pour moi. Chisara. Chisara. Ah ah. Pourquoi je perds mon temps en appelant son nom en entièreté? Zara. Zara. Bonjour, tantine. Bonjour. Donc, si je ne te réveille pas, tu allais continuer à ronfler là-bas dans la maison au-delà de 6 heures du matin? Hey! Zara! Apparemment, tu t'es déjà instruite à me rendre bavarde dans ce village, n'est-ce pas? Je suis désolée, tantine. Désolée pour toi-même. Pourquoi elle veut que je me réveille très tôt le matin? Alors, prends ces récipients, pas pour de l'eau maintenant. Si on finit de puiser de l'eau, tu vas porter un et moi aussi l'autre. Ok? Après ça, tu ne feras pas autre chose. Oh mon Dieu, pas de l'eau. Et comment est-ce que je vais porter ces gros bidons? Écoute, je ne parle pas deux fois, oh. Pas du tout. Évite une gifle. Allez, porte ça maintenant. Mais, tontine, le bidon est trop grand pour moi. C'est très grand pour toi à ton âge. Lorsque j'avais ton âge, je portais ce genre de bidon. D'ailleurs, de même. Peu importe, je te blâme pas parce qu'on t'a pas bien élevé. Alors, je ne te blâme pas. Allez, porte ce bidon, pars. Écoute, je veux gifler cette paresse qui est en toi. Porte ça. Mal des droites. Veut-elle dire à la droite? Bouge! Mal des droites. Bouge! Marche vite. Marche vite et avec force. C'est bien maintenant, c'est fini. Tu peux essayer maintenant. Je vois. C'est fini? Oui, maintenant c'est bien. Mon vrai réparateur. Oui. Ah. C'est très bien. Oui. Vraiment, ça sonne différemment. C'est parfait. Laisse-moi voir un peu ce que je peux faire. Ok. Toi, tu es mon frère. Oh, mon cher, ajoute-moi quelque gère chose. Gère ça. Tu peux les gérer. Laisse-moi les faire problèmes. Autre chose. Regarde. Amène-moi d'autres clients, hein? Pas de problème. Toi, amène-moi beaucoup de clients. Ok, sois prudent. Oui, exactement, je le serai. Au revoir. Au revoir. Ça, c'est quel genre d'endroit, ça? Il n'y a pas de l'électricité et les moustiques partout. Il y a une seule façon de puiser de l'eau. Et tu dois faire la queue. Zara! Oui, tontine! Elle crie toujours. Dieu sauve-moi. Qu'est-ce que je vois? S'il te plaît, descends-moi ça. Qu'est-ce qui ne va pas ce matin? C'est quoi ça? Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. Laisse-moi t'aider avec... Non. Je ne pense pas que ma tantine sera contente. Tu veux voir ta tête tomber? Elle a le plan de te tuer ou quoi? Donne-moi ça. Donne. Dieu te bénisse, maman. Qui te bénisse aussi. Allons-y. Bien. Hein? Qui parle là-bas?
Hein? Zara, donc, juste un 25 litres ordinaire d'eau, tu n'arrives pas à le transporter? À ton âge là? Maman? Maman Amado, sais-tu que à mon âge, je transportais ce genre de bidon deux mêmes à la fois? Hein? 10 fois par jour? Peu importe, je n'ai pas le temps pour toi maintenant, je pars d'abord. Aouna, bonjour. Mais pourquoi l'as-tu aidée, non? Comment dois-je l'élever? Je lui apprends. Et comment doit-elle apprendre? Pourquoi tu es très méchante? Hein? Hey! Une personne comme moi, trop calme dans ma maison. Et le trouble vient me localiser chez moi. Peux-tu imaginer? Tu es un trouble. Tout ce qui est en toi est un trouble. C'est pourquoi tu fais tout ça. Hey! Aouna! Ta tête est fabriquée de carton. Sais-tu pourquoi je dis ça? Tu sais pourquoi? Tu laisses ta misérable maison et tu viens pour mêler de mes affaires. C'est comme ça? Tu ne sais même pas parler français. Je ne sais pas comment tu enseignes tes élèves. Aïe! Si vraiment tes battes n'allaient pas gâcher le maquillage qui est sur mon visage ici aujourd'hui, hein, j'allais te couper la tête, je te dis. Kioi! Mais pas de problème. Prochainement, je vais me préparer pour toi. Très bientôt, tu seras appelée une sorcière. Regarde ce que tu demandes à cette petite fille déportée. Elle a à peine 10 ans. Tu veux la tuer? Tu es une vraie sorcière. Respecte-toi, oh. Respecte-toi, oh. Hein? Respecte-toi, sinon je vais gâcher mon maquillage juste pour te battre. Est-ce que tu m'as déjà vu chez toi venir demander la nourriture pour donner à cette fille? Hein? Respecte-toi. Quand est-ce que tu vas changer ton comportement? Je n'ai pas le temps. Comment tu peux avoir le temps? J'essaie de comprendre qu'est-ce qui est difficile pour toi de bien vivre avec les enfants. C'est pourquoi tu refuses de te marier. Hey, Kao. Hey. Alors, si on appelait des gens mariés, tu sortiras avec tes petits pieds là? Hein? Celui à qui tu es marié là, est-il un homme? Il n'est pas un mari, un bagadabra, avec son pantalon qui balaye tout le village. Je ne te blâme pas. Je suis venue dans ta maison. Mm. Mais arrêtez bien dans ta petite tête. Mm. Si quelque chose arrive à cette fille, tu n'auras pas la paix dans ta vie. Va chez ton bon à rien de mari. Je ne t'ai pas demandé de venir chez moi. Va chez ton mari improvisateur. Tu n'as même pas honte, soi-disant professeur. Avec profession. Avec profession. Et toi, viens ici. Approche. N'importe quoi. Laisse-moi te dire maintenant. Je suis en train de sortir. Et lorsque je veux revenir, et tu dois remplir tout ce qui se trouve derrière la maison. Jusqu'à la tête. Jusqu'à la tête. Je veux que tu le fasses. Sinon, hein, ce que je vais te faire, ce que je te ferai, hein, tu le diras aux enfants et des enfants, à toutes les générations même. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être qu'il faut que je m'enfuie. Mais où irai-je? Elle est la seule famille que je connaisse. Papa et maman sont morts. Il faut que j'apprenne à les supporter. C'est vraiment joli. Je crie que je pouvais l'attraper. T'es arrivé. Je me suis blessée au genou. Je peux voir. Oh, tu saignes. Tu as besoin du premier soin. C'est quoi ça?
C'est le premier traitement qu'on donne à une personne avant de l'amener à l'hôpital. Connais-tu un endroit où je peux trouver la mallette de secours? Oh mon Dieu! Et qu'est-ce qui te fait rire? Parce que je ne connais pas la mallette de secours. Si tu veux vraiment m'aider, prends-moi quelques feuilles là, s'il te plaît. Quelles feuilles? Ces feuilles ici. Celle-là. Oui, ça. Comment sais-tu utiliser ça? Tu viens de la cité, n'est-ce pas? Parce que tout enfant dans ce village connaît comment utiliser ça. C'est notre premier médicament. Je crois que tu m'as compris, c'est ça? Oui. Peux-tu me l'enseigner? Oh, je suis presque arrivée. Pardon, tu dois retourner parce que ma maison est juste là à côté. Zara. Oh, ton nom c'est Zara. Et tu es la fille qui était venue avec cette méchante détente. Pourquoi tu l'appelles comme ça? Non, pour rien. C'est juste qu'on l'appelle comme ça. Je n'ai pas aimé. C'est comme si tu l'insultais. Et c'est pas bien d'insulter tes aînés. Désolée, je l'appelle réplique comme ça. Mon nom c'est Chizaram, mais tu peux m'appeler Zara. C'est comme si nous sommes maintenant tes amis. Mon nom c'est Chijima, tu peux m'appeler Dima. Oui, nous sommes désormais des amis et je vais t'enseigner. Et peut-être nous serons parfois de bons amis. Merci, bye. Bye. Bon après-midi, tontine. Alors, d'où est-ce que tu proviens? J'étais allée faire un tour. Tu faisais quoi? Un tour? Je peux bien voir que le travail que je te donne ici à la maison ne t'occupe pas. Voilà pourquoi tu tournes ici, dans ce village. J'avais besoin de bien connaître le village. Comme tu m'envoies toujours près d'ici. Hein? Qu'est-ce que tu s'unis? Suis-je ta caricature? Allez, vas-y, réponds-moi. Non, tontine. Je n'ai rien insinué. On dit insinué. Écoute, hein, si je te coince cette bouche, tu sais que tu es stupide. Hein? Je peux bien te couper ces ailes qui te poussent à voler à tout moment. Attends, va me faire les travaux. Et je suis sûre que tu as tout rempli comme je t'avais dit avant de partir. Sinon, je vais te montrer de quoi je suis capable aujourd'hui. Mata. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, attends. Qu'est-ce qu'il y a, Uche? Je t'ai dit que je refuse de te parler. Qu'est-ce qu'il y a avec toi, hein? C'est comme si tu as un problème avec tes membres d'écoute. Ah, je pense que tu allais dire l'organe d'écoute. Ok, je te comprends. Regarde-toi. Qui es-tu pour me dire ce que je dois dire? Qui es-tu? Un mécanicien ordinaire. Mba! Un mécanicien d'ailleurs, c'est mieux. Je veux dire un réparateur. C'est ce que tu es. Et tu viens dire à un professeur professionnel ce qu'elle doit dire? C'est pas possible. Il y a des choses que tu n'as pas encore découvert en moi. Juste donne-moi la chance. La chance? Hey, Halili, une chance pour toi. Sommes-nous de la même classe? Uche, arrête de te distraire, oh. Nous ne sommes pas de la même classe. Ha! La classe n'a rien à voir avec l'amour réel. Le problème, c'est l'amour que j'ai envers toi. Bam! Merci beaucoup pour cette phrase. C'est ce que je ressens pour toi. Je ressens la déception. C'est ce que je ressens pour toi. Laisse-moi tranquille. Nous ne sommes pas de la même classe. Mata, ce n'est pas gentil de me répondre comme ça. Tu n'as encore rien entendu? Laisse-moi tranquille.
Vas-y suivre tes villageoises. Nous sommes pas de la même classe avec toi. Laisse-moi tranquille. N'importe quoi. Mata? Attends, pardon. Mata? Pourquoi n'acceptes-tu pas ces vrais cadeaux que j'ai pour toi? Tu dis quoi? Parce que tu vas m'emmener à la pauvreté. Tu es la porte de la pauvreté, Uche. Et je refuse ces clubs. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi pour que mon mari riche puisse me voir. S'il te plaît, oh. Mata, pourquoi tu regardes ma profession? Tu sais que je peux prendre soin de toi. Qu'est-ce que c'est? Tu appelles ton métier là que tu fais. Hein? Profession. As-tu un problème? Hein? Hey! J'appelle ça un saut métier. C'est vraiment ça. Les enseignants comme nous cherchent des professionnels. Lorsque je dis enseignants, des enseignants professionnels. Nous sommes pour la profession. Hein? C'est pas comme vous qui marchez partout dans ce village, cherchant comme un homme fou, demandant de l'aide chez les gens. Ah! Non! Ton apparence n'est même pas comme un réparateur. C'est comme quelqu'un qui... Je sais même pas comment te qualifier, vraiment, en vrai, excuse-moi. Hey! Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. J'ai pris qu'un jour... Tu parviens à réaliser que réellement je t'aime. Tu aimes réellement qui? Moi? Tu aimes réellement... Ah! Comment est-ce que je vais t'aimer aussi réellement en retour? Lorsque tu ne sais que faire de vase et bien, tu ne vois pas les autres comment est-ce qu'ils marchent? Toi, tu ne sais que monter et descendre. Hey! C'est comme ça que tu es, non? C'est ta méthode de voler, hein? N'est-ce pas ça? C'est vraiment ça ta méthode, n'est-ce pas? Onyoshi! C'est ce que tu fais! C'est comme ça que tu montes et descends, hein? Dans mon champ. Hey, je te connais bien. Et ça, c'est des voleurs. Il s'est chamaillé. Je suis étonnée de ce qu'elle veut. Hey, Chimo. Fais doucement, non? Veux-tu massacrer ma tête et gâcher mon maquillage? Désolée, tontine. Tontine, c'est qui cet homme? Quel homme? L'homme à qui tu parlais tout à l'heure. Allez, tourne comme ça. Passe ici. Es-tu en train de me contrôler? Non, tontine. Occupe-toi de tes affaires. Tontine, cela ne veut pas dire que je ne te respecte pas. C'est comme si tu étais une mère pour lui. Hey! Allez-les! Zara! Donc, juste parce que je t'ai permis de toucher à ma tête, nous sommes devenus amis, n'est-ce pas? Non, tontine, non! Tu sais ce que tu vas faire maintenant pour moi? Donne-moi 1000 centilitres d'eau avant que je puisse te gifler maintenant même! 1000 centilitres d'eau? Es-tu toujours là? Veux-tu que je te lance ces miroirs et détruire ton visage? Alors, reviens ici! Reviens ici! Allez vite! Donne-moi ça! N'importe quoi! Dégage! Regarde-moi celle-là! Et si elle n'était pas vraiment de ma famille? Parce que je réalise qu'elle me traite toujours comme un démon. Elle est vraiment paresseuse comme sa mère. Peut-être que je dois la chasser. Pas du tout. Je sais ce que je veux faire. Bien, 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 mademoiselle. J'ai trouvé un très bon boulot pour toi. Au lieu de tourner comme quelqu'un qui provient de Saturne. Saturne. Maintenant, écoute-moi. Si tu vas là-bas, derrière la maison, il y a un tas d'habits. Prends ça et nettoie-les tous. Et si je rentre et que je trouve que tu n'as lavé aucun de ces vêtements, je vais te faire dégoûter ce monde. Tu m'as entendu? Je ne veux pas que tu laisses un de ces vêtements. M'as-tu entendu? Maintenant, lève-toi et pars. Je crois que tu seras occupé toute la journée au lieu de tourner par-ci, par-là. N'importe quoi. Oui, comme je t'entends dire, j'aimerais... Est-ce que quelqu'un est mort? Regarde. Uche! Ah, ah,
Emeka, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que je ne peux pas avoir le temps de me reposer? Attends d'abord. Donc, ce que tu es en train de faire, tu appelles ça aussi au repos? Non, ce n'est pas un repos. Tu es en train de penser. Sinon, tes pensées n'iraient pas loin. Je les rejette. Moi aussi, je rejette ce que tu dis. Emeka, tu ne comprends pas. Est-ce un problème de petite amie? Tu sais que je ne suis pas un coréen du Japon, tu le sais. Ouchi. Parle au ministre des affaires de petite amie, hein? Tu es dans la bonne direction. Bien, c'est concernant la femme. Mais cette fille-là me voit comme un monstre. Ah, hein? Elle te prend pour un fantôme? Je t'ai dit, mon cher. Elle te prend pour un fantôme. Est-ce que tout va bien avec elle? Et je ne travaille plus. Ça m'a beaucoup découragé. Hein? Donc, tu n'es pas à l'aise avec ça, hein? Que ça ne te dérange pas, en tout cas. Que ça ne te dérange pas, s'il te plaît. Contrôle ta langue. Mais je suis aussi content parce que c'est une bonne nouvelle. J'avais appris que tu planifiais aussi comment aller au petit séminaire à cet âge que tu as maintenant. Et c'est qui cette dame qui t'a fait mettre sous cet état? Mon cher, c'est bien Matao. Mata, non, seulement celle que nous connaissons tous. Mata, hein? La fille de Doji. Exactement. Hein? Attends d'abord. Donc ça veut dire que dans tous ces villages et toutes les femmes qu'il y a dans ces villages, tu n'as vu aucune pour qui tu peux courir après. Plutôt tu pars suivre cette femme de seconde classe. Même dans sa seconde classe, elle n'est pas toujours bien éduquée. Qui t'avait dit d'aller là-bas? Emeka, qu'est-ce que cela veut dire? Non. Hein? Attends, hein. Il te faut un renouvellement. Et parce que c'est si mal. Dans mon propre ministère, je n'ai pas ces services de baptême. Sinon, j'allais te suggérer d'aller là-bas. Tu dois maintenant chercher à aller dans une église. Est-ce que tu comprends? Parce que ces symptômes vont au-delà de ce qu'un ministère peut gérer. Emeka, je ne te blâme pas. Je me blâme moi-même de t'avoir dit tout ceci. Écoute. Trouve une autre fille dans ces villages. Et comme ça, je ferai personnellement le travail de la fin. Mais tu vois ce problème. Mes mains sont hors de ces problèmes. Je suis hors de ces problèmes. Parce que... Emeka, je ne peux pas. Tu ne peux pas? Je ne peux pas aimer une autre fille. Mata est l'unique fille que j'aime. Je te l'ai dit. On dit toujours que la mouche têtue est enterrée ensemble avec les cadavres. Tu vois ces problèmes? Mes mains ne sont pas dedans. Mon cher, hein? Bon, allez. J'étais déjà en train de... Non, allez-y, allez-y. Mais tu sais, tu m'avais payé l'argent pour les pneus. Je ne sais même pas si ce sont des pneus de Tokumbo ou de nouveaux pneus. Les nouveaux. Parce que je crois que l'argent que tu m'avais donné, c'était... C'est les nouveaux. Je vais les réparer après. Apporte-le-moi. Oui, reparle. Maman! Mazara! Dis-moi, où vas-tu à cette heure de la nuit? J'abandonne cette maison. Je ne veux plus habiter ici. C'est une mauvaise personne. Non, c'est pas vrai. Comme je viens de le dire, elle en a juste marre. Mais avec ton amour et ton attention, tu vas la changer à une bonne personne. Ma chère, tu dois rentrer à la maison. Ok. Écoute ma fille, pleurer ne résout absolument rien. Tu dois être forte et n'oublie jamais tes rêves. Mais comment faire pour que ça devienne réalité dans ce village? Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, il n'y a rien. Zara, rappelle-toi que tu es un aigle. Peu importe où se trouve le ciel, tu vas l'atteindre bientôt. N'oublie pas. Viens par là. Pourquoi est-ce que tu souris pendant que tu dors? Qu'est-ce qui se passe? Es-tu possédé? Non, tontine. J'étais juste en train de rêver. Tu étais en train de rêver? Tu sais que je n'ai même pas posé une bonne question. La bonne question est, je pense que tu as nettoyé les vêtements que je t'avais laissés avant de sortir. Oui, tontine. J'espère que tu les as très bien nettoyés. Oui, tontine. T'es vraiment chanceuse. Sinon, c'est que j'allais te faire dans cette vie.
tu allais oublier de rêver dans toute ta vie. N'importe quoi. J'étais en train de rêver. Allez, va dans ta chambre vite. Regardez-moi sa façon de dormir. Va dans ta chambre. Ça fait longtemps. Comment tu vas? Je pensais ne plus te revoir. Je vais bien. Pourquoi as-tu transporté un lourd bidon comme ça? C'est pas difficile pour toi? Je n'ai pas le choix. De toutes les façons, comment s'appelle ton école? École centrale d'Amoukou. Et c'est la seule école primaire dans ce village. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu n'as pas le choix »? Je te le dirai après. Mais tu dois aller à l'école maintenant avant que tu ne sois en retard. C'est bon, mais on n'a pas cours. Pourquoi? Les professeurs se plaignent pour leur salaire. Ils sont impayés depuis quelques mois. C'est pourquoi on n'étudie pas. C'est toujours comme ça, mais tu dois aller à ton école. On se voit après demain. Ok, ça ne dérange pas. Ça, c'est ton uniforme. Tu vas commencer l'école demain. Ça, c'est comme le même uniforme que j'avais vu Dim apporter. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de faire le drame sur mon corps. Oh. Merci, tantine. Va essayer à l'intérieur. Et tu viens me montrer. Tes histoires ici me font très mal à la tête. Si tu étais une trop bonne fille, je n'en ai pas souffri. Mais je fais ça, je pense que je vais même perdre mon argent. Oh. Alors va l'essayer à l'intérieur. Vite, 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 et tu viens me le montrer, rapidement. C'est quoi ça encore? Oh, with chat. Hey, Nemo! Hey, hey. C'est tellement très beau, maman! Je voulais que la couturière puisse un peu ajouter la longueur. Mais je pense que comme ça, ça va. Ça va bien. C'est beau. Hey, Amakao. Mais tontine, c'est trop gros pour moi. C'est juste comme je voulais. Hein? Tu sais pourquoi? Parce que tu peux la porter pendant un très long moment. Et tu ne te dérangeras pas pour avoir une autre. Hey, regarde, au demain. On va se moquer de moi. Et à quoi sert ta bouche? Aux corrections? Si c'est moque de toi, tu les fais aussi. Ris, ris même pendant un très long moment. Ok? Tantine, pardon, je t'en prie. Je peux pas porter ça comme ça à l'école. S'il te plaît. Monte, Zara, hein? Ce que je fais ici me donne déjà mal à la tête, hein? Et tu m'ajoutes d'autres. Au lieu de me remercier, tu es en train de te plaindre. Est-ce que tu dois vraiment le faire? Tu es ingrate. Ok. Je peux amener ça chez le tailleur? Chez le tailleur? Ok. Tu travailles maintenant? Parce que si tu veux que je te donne l'argent pour la nourriture de cette maison, lave-moi, tu te trompes, ma chère. Tu te trompes vraiment. Soit tu vas travailler toi-même. Dégage-moi de là maintenant. Tontine, s'il te plaît. Zara. Zara, Zara. Oui. Combien de fois t'ai-je appelé? 3 fois. Merci. Dégage d'ici. S'il te plaît. Entre dans la maison. S'il te plaît. Entre ton corps dans la maison. Je dis. Entre là-bas. Espèce d'ignorante. Dégage de là. Ingrate. Ingrate. Je suis désolée qu'il se moque de toi. C'est pas de ta faute. Je vais apprendre à les ignorer. Et ils vont arrêter quand ils seront fatigués. Ils ne vont pas se fatiguer. Ils vont toujours continuer à le faire tous les jours. Alors tu dois faire quelque chose. Normalement, on doit agir d'une autre manière. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas d'argent. J'ai dit ça à ma tante, elle ne veut pas changer. Ne t'inquiète pas. Ma maman est une taillère et elle va le faire pour toi.
Merci, Dima, d'être une bonne amie. Tu es aussi une bonne amie. Tu es la meilleure personne que j'ai rencontrée pendant cette année. Je te jure, et j'ai aimé. Ce n'est rien. On peut partir ensemble à l'école. Une très belle idée. Mais notre maison est tellement loin. Alors nous devons trouver un endroit où se rencontrer et nous irons à l'école ensemble. Cela signifie, nous allons commencer à nous rencontrer chaque jour pour se rendre à l'école. Oui, ça marche? Oui, ça va marcher. Désolée, tu es devenue aveugle ou quoi? Et tu ne fais que penser à l'insolence de ta tantine. Ne sois pas insolente, je ne t'ai pas vu venir. Excuse-moi, tu es toujours pareil, il y a quelque chose qui ne va pas de ton côté. Je suis désolée de te déranger. Peu importe, si ça s'est répété, je vais te pousser dans la forêt. Faut être forte. Qu'est-ce que tu dis? T'en fais pas. Bon après-midi, monsieur. Oui, bon après-midi. Comment ça va, toi? Bien, monsieur. Est-ce que ta tante est là? Non, elle n'est pas là. Ok. Est-ce qu'elle est allée loin? Sinon, je peux l'attendre. Je ne sais pas combien de temps elle fera avant de revenir. Ok. Ok. Je vais revenir alors. S'il vous plaît, qui êtes-vous? Et pourquoi cherche-t-il ma tante? C'est comme si elle n'a pas besoin de te voir. C'est toi, Zara, c'est ça? Je suis Chizaram pour les personnes que je ne connais pas. De toutes les façons, qui t'a dit que mon nom était Zara? Tout le monde dans ce village connaît que c'est ça la maison de ta tante. Ok, tu m'as toujours pas dit pourquoi tu étais venu chercher ma tantine. Lentement, détective, Tizara. J'ai besoin juste d'être son ami, pas autre chose. S'il vous plaît, quel est ton nom? Uche. Je peux voir que tu fais ton devoir alors, je te laisse le finir. Dis-lui que je suis venu la chercher. Ok, je ne manquerai pas. C'est bien. Merci. By the springs of gold, I shall win these battles. By the springs of gold. Tontine, oncle Uche était venu te chercher. Qu'est-ce que tu viens de dire? Okuchi était venu et il m'a demandé de te dire qu'il était passé. Hey! L'ambassadrice de la pauvreté. J'ai déjà dit à cette pauvre personne d'arrêter de me chercher, qu'il me laisse tranquille, hein? Et tu l'appelles même oncle. Mais il a l'apparence d'une bonne personne. Hein? Viens ici. Comment t'ai-je dit de te mêler de tes affaires? Combien de fois t'ai-je dit de te mêler de tes affaires? Dis-moi, combien de fois? Pourquoi tu n'entends pas toi vraiment? Seulement une fois. Une fois, c'est comme des millions chez moi. Tu me diras ce que tu connais à propos des hommes. Ignora Nium. Allez, vas-y, faire ce que tu faisais auparavant. Va continuer à faire ce que tu faisais auparavant. Regardez-moi cette espèce d'imbécile. C'était un bon homme. Hey! Pauvreté, qu'est-ce que tu veux avec moi? Toujours les hommes pauvres qui s'approchent de moi. Chai! Halilé! Salut, Tujima! Salut! Mais pourquoi tu es debout ici toute seule? Je pense que tout va bien. Oui, tout va bien. Alors partons à l'école, nous serons déjà en retard. Non, j'attends quelqu'un. Comme tiens, si je te laisse, on se revoit à l'école. Bye! D'accord, bye! Ah, désolée, je suis en retard. Ma tante m'a retenue. Ça ne dérange pas, je suis ici il n'y a pas longtemps. Waouh, ton uniforme est très belle maintenant. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est l'été, allons-y. Plusieurs arbres. C'est tellement joli. C'est comme si tu aimes ça beaucoup, hein?
Oui, bien sûr. C'est juste que il n'y a pas d'électricité et de l'eau. Ma tantine est avec moi juste après la mort de ma maman. Oh, je suis désolée à propos de ta maman. Je ne trouve plus plaisir de rester ici. Je veux vraiment aller en ville où on peut trouver une très belle maison, une très belle voiture, comme une Américaine. Connais-tu le peuple américain? Non. Et comment sais-tu leur apparence? Je regarde ça dans la télé. Es-tu Dieu? Et regarder la télé nous enseigne tellement beaucoup de choses que tu ne peux imaginer. Et ça nous donne même de l'expérience dans la vie, je t'assure, ma chère amie. Que comptes-tu faire dans le futur? Je veux être une avocate et défendre les innocents tout en parlant un très bon français, je t'assure. Tonton Uche, bonjour. Oui. Je t'ai apporté les bois pour préparer avec. Comment ça va toi? Je veux bien. Réparateur de moto, que fais-tu chez moi? Rien du tout. Je lui ai apporté les bois de chauffage. Je vis Zara avec les bois pour préparer avec. Je pensais les lui apporter. Hey! Tu as pensé que tu pouvais bien nous aider, Uche? Je ne te l'ai pas demandé. Hein? N'as-tu pas honte de toi-même? Donc parmi tous les cadeaux, c'est le bois que tu emmènes chez moi. Hey, l'ambassadeur de la pauvreté, c'est ce que tu es. Mais pourquoi tu te fâches? Je voulais juste t'aider. Je voulais juste aider. T'ai-je demandé ton aide? Hein? T'ai-je demandé? Qui va même accepter ce genre de cadeaux ensorcelés que tu as apporté? Qu'est-ce que tu veux faire là? Hein? Je retourne alors avec mon cadeau ensorcelé. Tu veux ramener ça où? C'est déjà arrivé dans cette parcelle. Ça ne partira plus d'ici. Je les prends juste pour que les gens ne puissent pas dire que Martha est méchante, elle n'est pas gentille. Tu vois un peu, hein? C'est juste pour ne ça. Ne t'en fais pas. D'ailleurs, je ne pense pas. Ne t'en fais pas. Tu ne penses pas? Je m'en fous si tu penses que je suis méchante. Ce n'est même pas ta méchanceté, c'est la mienne. Homme de forêt, il m'emmène aussi du bois. Il ne sait pas apporter le fleur. Attends, j'ai presque fini. Je ne t'ai jamais d'ailleurs supplié. Ouais. Oui, ça m'appartient. Parce que c'est arrivé chez moi. Maintenant, tu peux partir. Mécanicien. Dégage vite d'ici, yo. Dégage vite avant que le soleil ne puisse te noircir encore plus. Vas-y, mon cher. Vas-y, on ne revient plus. Hein. Tu vois ton fil ici? Arrange ton fil avec toi. Maintenant, écoute-moi bien, Zara. Je ne veux pas voir tes sales mains sur ces bois. Parce que je ne veux pas que cela entre dans ma maison. M'as-tu compris? Ok, tantine. M'as-tu bien compris? Oui, tantine. Merci. Merci, Oguchi. Hey! Franchement, il fait très chaud ici. On n'arrive même pas à se relaxer. Les moustiques ne sont vraiment pas gentils. Même si les gens ne le font rien, mais ils sont là en train de le piquer. N'est-ce pas que c'est pas gentil? Ça là, c'est pour des gens pauvres. Parce que mes moustiques ici sont très obéissants. Ils sont très, très gentils envers moi. Je ne sais pas donc de quoi est-ce que tu parles. Tout se passe très bien avec toi. Je ne suis pas en compétition avec toi. Ne t'en fais pas, il n'y a pas de problème. La vérité est toujours au centre. Voilà pourquoi ta bouche ne sait pas parler. Ah, John, non. J'ai vu où tu t'as porté du bois l'autre fois. Est-ce bien ce que je pense? Mon Dieu! Donc tu as laissé ta maison pour venir faire le commérage ici? Donc c'est pour ça que tu es là. S'il te plaît, ne m'insulte pas. Tu me dois des excuses de m'avoir insulté la dernière fois. Hey, Akuka Makao. Sais-tu que tu es très jolie lorsque tu souris?
Lorsque je ris, Mbano, je sais que je suis très belle. Que je rigole, oh, ou pas, oh, ou même que je crie, oh, la beauté est toujours là. Écoute-moi ça. Je ne parle pas de tout ce que tu as mis sur ton visage là. Je parle de ton intérieur, ce qui sort en toi lorsque tu ris. Ça sort, est-ce que tu sais de quoi est-ce que je parle? Parce que tu ne comprends rien. En tout cas, rien du tout. Voilà pourquoi tu ne comprends pas ce dont je suis en train de parler. Que Dieu m'épargne de faire ce que tu fais sur ton visage. Appelle ça comme tu veux. Je pense que tu vas lui donner un enfant. Il t'a envoyé? Ça sort de moi-même. Parce que tu es mon ami. Ça se voit qu'il t'aime. Il m'aime. Hey! Comment peut-il m'aimer? Il n'est pas de ma classe, il ne pourra pas me maintenir. Peut-il me maintenir? Peut-il acheter l'un de mes maquillages? Il ne peut rien m'acheter, alors il ne pourra pas me maintenir. Donc, tu es maintenant une voiture pour chercher une maintenance? Personne n'est de ta classe. Toi, toujours comme ça. Au fait, je ne sais pas de quelle classe parles-tu. Dis-moi un peu. Alors, Aouna, sors de ma maison. Commence à partir chez moi et sortir chez toi vite. Pourquoi tu ne sais jamais respecter la grammaire française? Je parle toujours une mauvaise grammaire. Comment sais-tu que je parle mal? Es-tu de ma classe? Tu ne l'es pas du tout. Je suis un professeur de profession avec profession. Hein? Tu as assez parlé. Écoute, tu vois la classe que tu parles. Ce n'est rien d'autre que la classe que tu es censé enseigner. Tu ne veux pas partir, n'est-ce pas? Ok, attends-moi. J'arrive bientôt. Je m'en vais, sœur Adjata. Je n'ai pas le temps pour toi. Tu n'as pas le temps pour moi. Je m'en vais. Tu n'as pas le temps pour moi. Je n'ai pas le temps. D'accord. Mais attends-moi, non? Pourquoi tu pars encore? Reviens ici. Reviens ici, espèce d'imbécile. Tu as le courage de parler pendant qu'un professeur professionnel parle. Va lui dire que je ne veux pas. Il ne pourra même pas acheter mes maquillages. Il ne pourra rien m'acheter. N'importe quoi. Espèce de pauvre. Un peuple pauvre. Voilà pourquoi vous voulez m'apporter votre pauvreté. Bonjour, tantine. Viens ici. Donc tu as commencé à voler mon argent? Hein? Voleuse! Je sais pas où tu gardes ton argent. Alors où as-tu trouvé l'argent pour arranger cette robe? Chidima m'avait aidé. C'est qui c'est Chidima? Ma copine. Maintenant. Donc tu commences à te faire amie aux différents enfants de ce village? Dis-moi. Hein? Allez, ta mère t'a laissé et elle est partie. Peu importe, qui t'a dit de diminuer cette uniforme? Tu l'as fait. Si tu mens, hein, je vais te couper la langue, comme ça tu ne pourras plus jamais parler. Qui t'a dit de diminuer ça? Je ne mens pas. Hey. Tu te plains toujours à propos de l'argent. Cela voudrait dire que je pouvais les diminuer sans te demander de l'argent. Ok. Donc c'est vraiment un jeu Nintendo que tu veux jouer avec moi, n'est-ce pas? Donc c'est un jeu Nintendo, ok, je comprends bien, n'est-ce pas? Pas de problème, comme c'est le cas, tu veux donc suivre ce pas. Comme c'est le cas, tu vas commencer à apporter de l'argent pour manger dans cette maison ou t'acheter ta propre nourriture. L'interrompt question, la première question. Bon après-midi, ma tante. Qui es-tu et d'où proviens-tu? Qui t'a envoyé? Je suis Chidima, collègue de Zara et son amie. Donc c'est toi, Chidima, dont la maman essaie de diminuer pour les petites filles de ce village les uniformes. C'est toi, non? N'est-ce pas? Non, ma maman est une tailleur professionnelle. Ah, écoute encore ça. Un tailleur professionnel. Ne parle pas de bruit professionnel, s'il te plaît. Hein? D'accord, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais alors ici? Que fais-tu ici? Parce qu'ici n'est pas un salle de jeu, dis-moi.
Parce que tous les enfants de ce village savent très bien que je n'aime pas que Jean vienne jouer ici chez moi. Qui fais-tu ici alors? Pourquoi es-tu ici? Je ne suis pas venue ici pour jouer, je suis venue lire avec Zara. Ça veut dire, c'est où là? Est-ce qu'ici c'était un centre? Hein? Mais c'est une école ici. Qu'est-ce qui est arrivé chez vous? Y a-t-il un problème là-bas? Hein? Peu importe. Zara est en train de dormir. Ok, maman. Viens ici. Comment m'as-tu appelée? Tu m'as appelée maman? Puis-je enfanter un enfant comme toi? Qui est ta maman? N'importe quoi. Hey! Ai-je l'apparence d'être plus âgée que ses enfants? Dégage d'ici! Dégage d'ici! N'importe quoi! Hey! Donc Zara m'emmène les enfants de ce village dans ma maison. Ils viennent s'asseoir pour sortir des bêtises. Hey! Okoukoua koma! Il n'y a pas de problème. On se reverra plus tard. Je vais encore faire quoi? Je suis désolée qu'elle te gronde. Elle est méchante. Ne dis pas ça. C'est juste une personne stricte. Quelle est la différence? Une personne qui est stricte n'est pas méchante. Mais une méchante personne est aussi sorcière. Tu veux aussi m'impliquer? Arrêtons ça, ouvre ton sac. Que je t'avais demandé de faire. Je crus que c'était bien de dormir. Même quand tu m'as touchée, j'ai dormi. Donc tu es là pour reposer, n'est-ce pas? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait rire, hein? Je suis désolée, tantine. On ne dit pas reposer, tantine. On dit se reposer. Hi! Allez-les. Hein? Okachamara, Zara, ta mère ne t'avait pas appris comment est-ce qu'on respecte les aînés, n'est-ce pas ça? Mais t'as menti. Et ça, c'est pas bien aussi. Moi? Tu vas te dire... Zara! Reviens ici! Zara! Reviens! Ils sont toujours en train de jouer. Que veux-tu qu'ils fassent? Lire leurs livres par moment. On peut les enseigner? Oui, c'est vraiment ça. Que veux-tu dire par là? Je veux devenir une ambassadrice. C'est qui une ambassadrice? Un ambassadeur représente quelqu'un ou quelque chose. Et je veux être un ambassadeur pour les changements. Waouh, c'est bien ça. Je vais commencer maintenant mon devoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas attendre demain pour vivre mes rêves. Quand le futur, c'est maintenant. Ne vois-tu pas? Je ne t'ai pas toujours compris. Demain n'est jamais éternel. Si on n'arrive pas à vivre nos rêves maintenant, pourquoi attendre que le futur arrive, tandis que ça arrivera toujours? Ça, c'est bien. Mais comment on peut influencer ses enfants à étudier? Je vais aider les enfants de ces villages. Dans mon école en ville, j'ai appris beaucoup de choses que les enfants de ce village n'ont jamais appris. Je veux leur apprendre le peu que je connais. C'est une belle initiative, mais je ne pense pas que ta tante va permettre cela. Je vais trouver un moyen pour y arriver. Mais comment auras-tu ces enfants? J'aurai besoin de ton aide. Arrêtez de vous battre! Mais pourquoi vous vous battez? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Il a commencé la bagarre. Oh non, c'est toi! Tu as la chance qu'elle est venue, sinon j'allais te tuer ici. Hé! Hey, arrêtez de vous battre! Ne savez-vous pas que se battre est démoniaque et c'est un acte non chrétien? Vous devriez vous mettre ensemble.
et pensez quoi faire de votre futur. Et pas se battre. Je voulais dire, est-ce normal pour des gens de se faire du mal? Il ne faut jamais les tolérer. Tous les gens qui vous entourent, il serait mieux de le proposer que vous deveniez des amis et être gentils avec eux. Et non se battre tout le jour. Ce que j'essaie de dire est que arrêtez de vous battre et apprenez à vous aimer entre vous. Ok? Oui. Et maintenant là, je ne veux plus vous voir vous battre encore, ok? Vous devez passer votre temps à penser aux choses meilleures. Vous avez bien fait, vous avez choisi le bon côté. Nous devons amener notre apprentissage à un autre niveau. Nous devons chercher un endroit meilleur où quand nous allons apprendre, quand nous serons concentrés, là on va vraiment s'isoler. Donc, à un endroit où il n'y aura pas de distractions. Parce que nous devons être concentrés pour que nous puissions étudier. Nous devons faire comme une tente. Là où nous allons nous isoler et nous allons étudier et apprendre. Et nous allons faire tout ce que nous devons faire. Nous allons rester là pour apprendre. Nous allons rester là pour étudier et faire plein de choses. Parce que cette affaire d'études demande beaucoup de concentration. M'avez-vous compris? Oui. Rassure-toi que tu le termineras dans 20 minutes. J'ai les chronomètres là-bas à la maison. Je vais bien te surveiller. En tout cas, fais ça dans 20 minutes. Tu m'as bien compris. Et si tu le termines, tu iras dans la cuisine pour préparer le dîner. M'as-tu entendu? Ok? M'as-tu entendu? Oui, tontine. Of courage and wisdom higher than our age. She's a shining star. Et maintenant, partez de là et vous irez jusqu'à là-bas. Et quand nous allons finir à couper, nous allons construire une tente comme une protection. Et nous allons rester là en dessous pour étudier. Vous avez compris? Oui. She's an embodiment of knowledge, excelling even in bondage. She's a shining star. Zara is a vraiment joli. Toute chose est jolie pour toi. Mais il est vrai que c'est joli. Tu ne sens pas cette fraîcheur. Il y a une chose dont j'aurais besoin de ton aide. Qu'est-ce que c'est? Es-tu folle? Ta tante va te tuer si tu le fais. Elle le veut. Et d'ailleurs, elle l'aime. C'est juste qu'elle ne veut pas l'admettre. Mais la façon dont elle avait humilié la dernière fois. Mais je ne pense pas qu'il reviendra sans pour autant qu'on puisse l'encourager. Nous sommes des petites enfants et on ne peut pas régler ces problèmes. Mais par moments, ils ont besoin d'un petit coup de main. Amène-moi juste dans sa boutique. Thank you.
Hey. Oncle Uche, bon après-midi. Bon après-midi, comment ça va? Je vais bien. Oui, je vois, tu lis tes cahiers. Oui. Pourquoi es-tu ici? Hein? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas venir chez moi et de me laisser être tranquille, hein? Est-ce que t'es normal? Hein? Que fais-tu ici? Vas-y, sors. Va-t'en. Dégage d'ici, Uche. Où tu veux que je te pousse? Veux-tu que je te pousse là-bas? Veux-tu que je te bouscule? Allez, sors. Tontine, attention, il y a les cafards derrière toi. Oui. Il faut les tuer, il faut les tuer. Il est là, il faut les tuer. Tu prends le balai. Utilise ton pied pour les tuer. Uche, non. Il est mort. Ah, c'est comme ça que tu as peur de Cancrela? C'est quoi ton problème, hein? N'es-tu pas celui qui m'apporte la pauvreté ici dans cette maison? Partout où tu pars, la pauvreté te suit. C'est ce que tu as emmené ici, je moi. Tu m'as emmené le cafard ici. C'est quoi ça? Oui, je suis habitué de tes insultes. Je ne suis pas surpris. Est-ce que tu peux m'écouter un peu? J'ai quelque chose ici. J'ai écrit quelque chose pour toi. Tu as écrit quelque chose pour moi? Qu'est-ce que tu sais pour écrire? Hein? Tu n'es qu'un réparateur ordinaire. Qu'est-ce que tu sais que tu pourrais écrire? Vas-y, dis-moi un peu. Pardon, est-ce que tu peux m'écouter? Pardon. Cher Mata, je ne sais pas comment je peux te dégager de ma tête, mais ta beauté me rend fou. Uh-huh. Et je n'arrive pas à dormir. Tout ceci parce que ta beauté donne la folie à mon esprit. Même si tu penses que tu es méchante, mais pas moi. Donne-moi la chance de te montrer que même la tempête peut être arrêtée par de bonnes herbes. À toi pour toujours, Uche. C'est un mécanicien, Ibo. Regardez une grammaire bête que tu as écrite. Regarde la grammaire bête que tu m'as écrite. Hein? Un professeur professionnel de profession. Uche, je n'arrivais pas à situer ton niveau de stupidité. Hein? Je croyais que c'était faible, mais maintenant je trouve que c'est très 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 élevé. C'est vraiment très élevé. Hein? Regarde-toi. Tu me nommes malade, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça, mais je t'aime encore. Tu aimes toujours renier? Tu aimes toujours renier? Ok, dis-moi, suis-je maintenant sorcière qui commence à boire ton sang? Ok, c'est bon, vas-y, dégage maintenant, sors de chez moi. Vas-y, sors vite. Dégage d'ici, allez vite, dégage d'ici. Sors. Si je suis sorcière, qui es-tu? Un démon, c'est ce que tu es. Et c'est de n'importe quoi. Où est cette fille? Zara. Chez Zara. Allez, saute comme une grenouille. Saute comme une grenouille. Allez, vas-y, saute. Allez, vas-y, saute. Continue. Prochainement, tu ne vas pas me désobéir. Prochainement, tu ne te mettras pas sur ma table. Si tu sais que cette table signifie une table d'un professionnel. Si tu arrêtes, hein, si tu arrêtes, je te donnerai ce que je t'ai mis de l'auparavant. Allez, vas-y, continue. Allez, allez, saute. Quelqu'un est venu, au lieu de tuer le cafard tout doucement, tu as crié « Hé, les cafards! Hé, les cafards! » Tu commences à crier « Hé, les cafards! Hé, les cafards! » pour commencer à m'embarrasser. Imbécile. Ce n'est pas sérieux, ça. Elle t'a frappé parce qu'hier, tu étais rentré en état où il y a une autre chose. Je ne pense pas. Alors, pourquoi elle t'a peigné? Ils vont se moquer de toi à l'école si tu pars avec ces démarches. Parce qu'elle obsédait à la punition. Maintenant, je réalise que ma maman avait raison. Si je lui montre de l'amour, elle va changer. Je souhaite que ça soit ainsi. Ça va aller. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épellation. Alors, répétez épellation. 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 Le premier mot est cartoon. 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 Et maintenant, épellez avec moi. C'est
A. A. R. 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 D. 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 O. 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 N. N. Cartoon. Cartoon. Maintenant, qui va épeler Cartoon sans regarder les tableaux? Ok, épelle pour nous, tourne le dos. C. A. T. Qui d'autre? C. A. R. T. O. N. Est-ce correct? Non. Tous regardez devant. Aucune de vous n'a réussi. Alors, regardez bien. Alors, ouvrez vos cahiers, écrivez Khartoum sans regarder au tableau. Le premier mot! Le premier mot! Khartoum! 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 Restez avec moi, C! A! A! R! R! T! T! O! 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 N! N! Encore! C! A! R! T! O! O! N! Cartoon! Cartoon! Salut. Alors, élevez vos voix pour épeler! Vas-tu aussi dans cette classe de maternelle? Quoi? Non, monsieur. Lève-toi et puis tu vas Mais nous épeler! C'est qui cette fille? Cartoon! Qui enseigne là-bas de l'autre côté? Qui? La petite fille qui enseigne de l'autre côté. Ok, là c'est Zara, elle pense qu'elle est professeure. Pourquoi parles-tu ainsi? Parce qu'elle les enseigne. Oh, je vois. Ok, tu peux partir. Je prie juste les seigneurs afin que plusieurs élèves nous rejoignent, car cette classe sera vraiment forte. Ça n'est pas vraiment un grand problème. Le problème est que nous étudions pas comme d'autres personnes le font. D'accord. Je prie Dieu afin que ta tante ne soit pas encore arrivée à la maison. Telle est aussi ma prière. Allons-y alors. Libre comme un soldat. Qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai pas envie de mentir. Bon après-midi, tantine. D'où proviens-tu? D'où proviens-tu? Réponds-moi. Hein? Combien de fois dois-je t'interdire de ne pas te promener dans ce village? Mais je n'étais pas en train de me promener. Réponds à ma question maintenant. Où étais-tu? Je suis allée étudier. Ah oui, oui. Hey! Tu étais partie étudier? Tu étais partie étudier? Donc cette maison n'est plus suffisante pour toi? Hein? Hey, Martha! Martha, je te blâme. C'est de ma faute. Je t'ai donné beaucoup de liberté, oui, voilà pourquoi je suis en train de subir tout ça. Hein? Les pèlerinages, c'est ce que tu fais. Maintenant, cette chose que tu as dans ta main, va la déposer dans ta chambre. Va dans la cuisine. Rassure-toi que Abou, que j'aime, est prêt pour moi, comme je l'aime bien. Dégage de ma vue. Dégage! Hein? Regarde-moi cet enfant. Hein? Veux-tu me battre? Nekodi. Pourquoi elle me regarde comme ça? Hein? Hey! Si tu me regardes encore de cette façon, hein, je te tuerai vraiment.
Veut-elle me battre dans ma propre maison? Oh non! Martha, tu dois te réveiller avant que cette fille puisse te faire du mal. Oh. D'ailleurs, ça ne sera pas possible. Tu ne me connais pas. Hey! Écrit ici. Invalidé. Hey! Oh mon Dieu! C'est quelle écriture? Hey mon Dieu! Tu es en train de détruire le français devant un professeur professionnel de profession. Hey, j'ai pitié de toi. Hein? Regarde-moi ton petit français. C'est vraiment le français de la rue. J'ai pitié de toi, oh. J'ai pitié de toi parce que je connais très bien mon travail. Je ne serai pas dérangée par ce français qui n'a pas de sens. Je suis un professeur de renommée. Un professeur professionnel de profession. Franchement, on aurait tout vu. J'ai pitié de toi. Ha! Cette chose est foutue. Et je suis sûre que c'est toi qui l'as abîmée. Mais je ne l'ai pas abîmée. Ah! La ferme. Tu n'as pas abîmé quoi? Qu'elle l'a fait moi? Peu importe. Ce que je vais faire pour moi, c'est d'aller au village square et me prendre une nouvelle. Tu m'as entendu? Allez, dépêche-toi vite. Allez, prends. Mais tontine, cette nuit? Non, ça ne peut pas être cette nuit. C'est après 600 ans que tu iras encore m'acheter. Allez, prends ça, achète ce qui est semblable. Prends ça. Dantine, cette nuit... Où est-elle? Où est-elle? Où est-ce qu'elle est passée? Hein? Il est passé par où? Patientons d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça toi? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cours comme si on te poursuivait? Quelques hommes sont à ma poursuite. Quelques hommes, ils te poursuivent. Où? Dans ce village, écoute-moi ma chère, avant que tu ne viennes dans ce monde, j'étais déjà venue il y a très longtemps. Donc ne pense pas que tu peux venir avec tes bêtises chez moi. Jamais, ça ne me touchera pas. Ils me poursuivent. Donne-moi ça. Quelques hommes me poursuivent. Où est ma différence? Hein? Tu n'as pas oublié ma différence? Hein? Tu as appris la volerie, n'est-ce pas? Donne-moi l'autre là. Allez, va à l'intérieur. Bonjour toute la classe. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est le nom. Qu'est-ce que j'ai dit? Le nom. Qu'est-ce que j'ai dit? Le nom. C'est un nom qui désigne, c'est... Un nom qui désigne. Le nom peut désigner un animal ou autre chose. Ça peut désigner un animal ou autre chose. Ok, donnez-moi un exemple de nom. Toi. Un chien.
Le chat est un animal. Mais le mot chat, c'est un nom. Qui encore? Toi. Lagos. Lagos est une ville. Elle a réussi. Acclamez pour elle. Ça. C'est quoi ces choses? Est-ce que c'est contractueuse? Hein? C'est une sorcière. Oui, tu es une petite sorcière. Hein? Tu veux donc abîmer ma beauté ici, hein? Hein? Tantine, c'est pas contagieux. C'est juste une piqûre de moustique. Es-tu sûre? Oui, je suis sûre. Tourne. Non, comme ça. Oh mon Dieu, Mba. Je ne te crois pas du tout. Ma confiance n'est pas sur toi. Hey! Petite sorcière, c'est ce que tu es. Peu importe, c'est une bonne chose que ce moustique avale ton sang, juste comme tu le fais au mien. C'est une bonne chose. Va m'emmener de l'eau. Reviens. Tu sais ce que tu vas faire pour moi? Hein? Tu le sais? Bien. Utilise le sachet. Porte-le bien. Je veux vraiment une eau très fraîche. Mais vas-y! Hey! Tu n'es que mon... Et mon corps est sans effet. Dépose ça là-bas. Tu vois ces choses, hein? C'est comme si... c'est comme si c'est quelqu'un qui souffre de... La lèpre, je crois. C'est ce que tu as là. Tu sais quoi? Laisse-moi te dire, hein? Il n'y a plus d'école pour toi. S'il te plaît, tu m'as entendu? Plus question d'école pour toi, jusqu'à ce que ça va disparaître. Avant que les gens puissent se dire, Martha est comme ça, Martha est très mauvaise. S'il te plaît, je t'en prie, yo. Tu m'as entendu? Encore une chose. Bouille-moi une bonne quantité d'eau chaude. Comme ça, je veux laver toutes ces odeurs. Tu m'as compris, oh. Je veux une eau fraîche, oh. Ne me prends pas n'importe quelle eau. Je veux vraiment de l'eau très bien bouillie. Je veux très bien te laver. Disparais, non? Dépêche-toi! N'importe quoi! C'est quel genre de bêtise, ça? Thank you.
Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde encore. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être à l'école. J'ai vraiment fait de mon mieux pour t'attendre. J'allais partir après avoir beaucoup patienté. Et quand je suis arrivée à l'école, alors que tu n'étais pas là, j'ai décidé de venir te chercher. Tu devais aller à l'école. Tu ne dois pas faire ça. Ils n'ont pas encore commencé à enseigner. Qu'est-ce qui arrive à ton corps? Les moustiques. Ils étaient là hier dans ma chambre. Je ne sais pas comment ils sont entrés. Peut-être que tu ne veux pas fermer la porte. Non, j'ai toujours fermé la porte. Tu dois prendre quelques remèdes pour lutter contre ça. Mais tu sais que je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas à t'inquiéter pour t'en acheter. Tu peux les trouver quelque part. Et surtout dans la forêt. Dans la forêt? Oui. C'est un bon remède. Et cela va vraiment te faire du bien. Ok, on se verra après demain. Viens avec moi. Non, ma tante a dit que je ne peux pas sortir de la maison. Je ne peux même pas être sur le chemin. D'accord, je vais t'en apporter. Hein? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui t'a fait comme ça? Hein? Oh! Tu veux dire que tu ne dors pas avec les moustiquaires? Non, maman. Hey! Matara Joge! Comment une personne peut être comme ça? Hey! Viens, allons chez moi. Je vais te chercher quelques pommades. Je vais t'appliquer. Tout ça va finir, ok? Non, je peux pas. Ma tante va revenir bientôt. Hein? Laisse-la rentrer. Si elle essaye de parler, je veux la remettre à sa place. N'aie pas peur, elle ne va rien faire. Allons-y. Allons-y. Hey, Mathieu, laisse-moi te dire. Être un homme, ce n'est pas synonyme d'être esclave. Je ne vois pas le travail qui peut me donner la mort ici. Uche, je veux que tu t'es décidé de prendre la paix de ton esprit. Amaka, le soleil est très ardent. Hein? Pardon, tu peux t'en aller. Tu vois que je travaille. Si je peux dire, c'est comme si tes oreilles ne sont pas encore débloquées. Écoute, hein, il y a d'autres filles qui m'attendent. Alors tu es en train de rater. Emeka, toi avec les femmes, hein? Et les femmes? Attends, tu ne connais pas cette chanson qui dit « Dans cette fille, je ne peux pas me suicider. » Hein? Je ne peux pas t'arrêter alors, de faire ce que tu fais. Alors, laisse-moi faire ce que je veux. Ou... Bien sûr. Laisse-moi faire c'est ce bien que mon veux. Cher. Oui. Il faut que je m'occupe d'elle. Hey! Wow, il y a vraiment un grand changement. Oui, tantine Ona a fait pour moi le médicament. Maintenant, tu dois faire un effort avec que cela ne t'arrive plus. C'est pourquoi? Tu peux les mettre là où tu as encore des douleurs. Ça va vraiment t'aider. Merci beaucoup. S'il te plaît, dis à Kams et les autres que je ne saurais pas venir aujourd'hui. D'accord, que tu sois guéri vite. Telle est ma prière. Avant de me donner ta maladie, bouge. Ah ah. Ha. C'est comme si toutes ces choses-là sont parties. Hein? C'est pour ça que tu as le courage de sortir sans ma permission. Peu importe, je te pardonne. Nilan.
tu ne sais plus parler, n'est-ce pas? Merci, tantine, de m'avoir pardonné. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour que ces choses partent? Tantine Aruna m'a donné quelques médicaments pour appliquer. Quelques médicaments? Hein? Où est-ce qu'elle les a pris? J'espère que ce n'est pas chez moi. Non. Où est-ce qu'elle les a pris alors? Elle m'a amené chez elle. Quoi? N'est-ce pas que je t'ai demandé de ne pas sortir d'ici? Hein? Tu es sortie pour aller prendre les médicaments chez elle. Tu cherches comment mourir pour le mettre sur la tête de quelqu'un, n'est-ce pas? Allez, quitte devant moi. Dégage. Va dans ta chambre. Juste de simples médicaments. Yeah! Aouna! Kamsi, je dis que l'adjectif c'est quoi? Et l'adjectif est un mot qui décrit les noms. Applaudissez! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une question. Vas-y, parle. Bonheur, c'est un adjectif? Le mot bonheur est un nom. Mais heureux est un adjectif parce qu'il décrit un nom. Dans la phrase, un homme heureux, quel mot décrit l'homme là? Ok, dis-moi. Heureux. Exactement. Applaudissez pour elle. Une autre question? Pourquoi tu fais cette tête? C'est ma maman. Il y a des choses qui ne vont pas avec elle? Non, ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Ton état m'inquiète. Elle a dit, ma tante doit venir me prendre pour aller avec moi en ville. Elle viendra dans quelques jours. Et pour ton école? Elle m'a dit, je vais recommencer quand je serai là-bas. Tu vas beaucoup me manquer. Mais tu ne veux pas aller à la ville? Ou c'est juste tu l'aimes pas? J'aime tante Neka. Je l'aime vraiment. Tu es ma meilleure amie et je ne peux pas te laisser ici. Mais ne t'inquiète pas. Je ne suis pas encore partie. Mais même si je voyage, je reviendrai toujours pour te visiter. Allons-y avant que ma tante revienne. Des petits cafards. Lorsque vous voyez vos aînés, vous ne savez pas les saluer. Hein? Pourquoi tu la frappes? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Regarde-moi cet enfant. Petit rat, qu'est-ce que tu viens de dire? Je vais te montrer de quoi je suis capable. Hein? Je vais vous couper comme du poisson et envoyer à votre maman. Même un petit respect ordinaire, elle ne sait pas vous la prendre. Neka Adé. Elle a même tenu les livres. J'en ai parce que Zara nous enseigne avec. Zara enseigne? Donc c'est ce qu'elle fait souvent. Hey, mon Dieu! Ne la suis pas. Laisse-nous tranquille, tante méchante. Suis-moi, partons. Tu dis quoi? Hein? Tante Ngui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Arrête-moi ça! Qu'est-ce qu'il y a? À part la sorcellerie, tu ajoutes encore la méchanceté. Ça, tu appelles ça méchanceté? Tire les oreilles de cette chose que tu appelles enfant, mouton. Exactement. C'est quoi ça? Mais c'est quoi? Il y a quoi avec lui? Qu'est-ce qu'il t'a fait exactement? Bonne question. Demande à ton vaurien de fils. Écoute-moi, tu devais avoir honte toi-même. Attends d'abord. Donc, c'est parce que mon fils t'a appelé par ce nom que tu viens ici pour lui taper? Oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Change ton comportement. Hey, Aouna, je ne te blâme pas. Pas du tout, je ne te blâme pas. Tu sais si je blâme qui? La pauvreté.
La pauvreté a captivé tout de toi, en fait, tous tes membres. Oui, c'est ça. En te regardant comme ça, qu'est-ce que tu as? Quoi, la maison ou quoi d'autre? Tu n'as rien de spécial. T'es aussi pauvre et encore méchante. C'est à cause de ça que tu veux tuer cette pauvre fille? Zara, donc c'est ce qu'elle te raconte, hein? Ne t'en fais pas pour elle. Je le vois dans mes propres yeux. Et tout le monde ici peut le voir. Tu sais quoi? Je n'ai pas le temps pour toi. Et pour toi, mouton, je veux te revenir après. Je reviendrai pour toi. Tu dois voir Anto, Mata. Change ton comportement, Mata. Viens ici. Je ne vais plus voir ta tête dehors. Si je te vois dehors, tu verras ce que je vais te faire. C'est quel genre de personne à Kelidja? Hey! Désolée de vous faire attendre, je demande pardon. Hey! Judas Iscariote avait trahi Jésus. Hey! Zara! Donc c'est ce que tu fais après avoir mangé la nourriture que je te donne là-bas à la maison? Non! Hey! Tantine, je suis désolée de... Non. Tu n'as pas à être désolée. Tu vas me rencontrer à la maison. Hey! Donc tu es celle qui parle aux enfants du village. De ne plus me saluer et de m'appeler tante méchante. Non, je leur dis d'arrêter de t'appeler comme ça. Donc c'est vous qui partez à la rivière pour faire le commérage à mon nom? Non, je les enseigne seulement. On ne parle pas de toi. Je te dis la vérité. Mais j'acceptais. Je suis celle qui est bête. Et je vais te montrer de quoi je suis capable. T'inquiète, ouvre tes yeux et regarde le film. Et fais gaffe. Fais gaffe, sinon tu sauras. Je vais te montrer. Dieu, s'il te plaît, sauve-moi. Ça, c'est la troisième fois qu'elle mange aujourd'hui. Et moi, je suis là sans même prendre le petit déjeuner. Oh mon Dieu, j'ai tellement faim. Combien de temps vais-je supporter? Tu vois la fille que je t'avais parlé? Elle m'a acheté de l'eau et du jus. Ne me dis pas que tu n'as pas mangé depuis le matin. Alors, mangeons même ce pain. Déjà comme toi. Attends, dis-moi, es-tu sérieux à propos de ce que tu m'as dit? Vraiment très sérieux. Ma mère veut voir ses petits-fils avant de rejoindre ses ancêtres. Oh, Zyoku. Hein, mon cher ami, vraiment, ça me dérange oh, beaucoup. Oh, Zyoku. C'est que tu ne mérites pas cette folle femme comme épouse. Non, je ne pense pas qu'elle est folle. Tu ne crois pas qu'elle est folle? Non, je ne pense pas. Quel est cet homme dont l'essence fonctionne normalement? Qui pourra aller chez Mata et prendre cette femme et la mettre dans sa maison? Hein? Quelqu'un qui même jusque dans son propre village reste toujours local. Attends, tu vois, je ne veux pas que cette Mata gâche mon humeur. Mais regarde-moi. De toutes les façons, dis-moi un peu, c'est quand alors la présentation? Comme ça, je vais quand même goûter le vin. Mon cher, dans 2 jours. 2 jours? Oui. Mais moi, regarde-moi la personne comme Obiageli. Regarde-la. Tout en elle est bon. Je te jure. C'est les matérialistes. Je suis content pour toi. Trinquons. Tu sais que... Même quand ce n'est pas du vin, on peut quand même trinquer. C'est comme ça, mon cher. C'est comme ça. Tu aimerais d'avoir une trop bonne femme. Oublie cette Mata. Obiageli est là. Obiageli est là. Est-ce que tu peux comparer les deux? Même si tu prenais
la rivière qui unit les deux boules et que tu mettais la rivière au milieu et les deux boules, tu ne peux pas comparer. Elle s'est renfouettée. C'est vrai. Je ne m'inquiète pas d'ailleurs. Je ne m'inquiète pas d'ailleurs pour toi. Je sais que je vais boire ta boisson. S'il te plaît, tontine, je n'ai nulle part où aller. Oh, tu n'as pas où aller? Est-ce que tu te rappelles quand j'avais pris ma nourriture sans permission? Hein? Tu te rappelles lorsque j'avais envoyé tes 16 amis du village pour venir s'asseoir ici chez moi? Je ne les ai pas envoyés. Tu ne les avais pas envoyés? D'accord, t'inquiète. Lorsque tu dormiras dehors, les coups de froid vont entrer dans ta tête. Allez, quitte-la. Dégage. Va-t'en. Négodé. They cannot pull me down. Qu'est-ce que tu fais ici? Quand arrêteras-tu de te faire du mal? Okachamara, laisse-moi tranquille. Écoute, Mata, je vais te laisser tranquille. Mais si quelque chose arrivait à ma fille, tu me verras derrière toi. Oh, on ne parle pas ici parce que tu n'es pas une personne normale. Tu es une femme très méchante. Et ton travail est toujours pour m'intimider. Tu avais ravi ma place lorsque nos parents étaient encore en vie. Ils t'avaient envoyé à l'université et moi j'étais restée à la maison. C'était pas encore suffisant pour toi. Tu commençais à marcher ici dans le village parce que tu étais mariée. Hey! Mata, j'étais observée graduellement prendre le goût de l'amertume. Et maintenant là, tu veux tout en prendre. C'est pas bien. L'amertume rend malheureux. Tu dois arrêter maintenant, avant que ça ne soit trop tard. Oh, quel genre de rêve que je viens encore de faire. Oh mon Dieu, cette fille est toujours dehors. Hey, oh. Ça va. Sarah! Hé, hey, où est-ce que tu es partie? Sarah! Sarah, es-tu là? Hé, hey, mon Dieu! Hé, hey, où est-ce que cette fille est partie encore? Sarah, où es-tu? Hé, hey, mon Dieu! Hé, hey, qu'est-ce que je veux faire? Sarah! Hé, hey, hé! Hey. Sarah! Hé, hey, mon Dieu, Sarah, où es-tu partie? Sarah, s'il te plaît. Hé, hey, Ougoné, s'il te plaît, j'ai perdu ta fille, je l'ai perdue. Je ne l'ai pas fait exprès. Sarah, où es-tu? Hé, hey, Sarah, hé. Hey. Mais Sarah, où peux-tu partir comme ça, maman? Hé, hey, Ougoné, hé, hey, Sarah, oh, pourquoi? Sarah, où es-tu passée? Reviens, s'il te plaît. Reviens si j'étais offensée. Et hey, pardonne-moi. Hey, Sarah. Hey. Oh. Sarah. Mmh. C'est quoi ça? Donc, tu veux dire que tu as laissé cette fille enfamée? Et tu l'as mise dehors?
s'il te plaît, je suis très très désolée, hein. Je suis vraiment désolée. Le problème est que je ne la vois pas. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Je ne sais pas si on l'a kidnappée. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Hey, écoutez-moi ça. Idioka, tu n'as même pas un peu de pitié. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Hey, je prie maintenant que je puisse la retrouver. Et je jure que je ne serai plus méchante envers elle. Hein? Où est-ce que je vais trouver ma Sarah? Qu'est-ce que je ne disais pas? Mata, arrête ça, ce n'est pas bien. Mais tu refusais. Regarde maintenant. Tu dois prier, oh. Prier et vraiment bien prier. Dieu aura peut-être pitié de toi. Sinon, je ne serai pas dedans. Sarah. Hey! J'ai toujours été une femme très méchante. Mon Dieu. S'il te plaît, j'étais juste dirigée par la colère et la jalousie. C'est très dur. Je ne sais même plus ce que je lui ai fait comme mal. J'avais ouvert la porte pour que les moustiques entrent, mais je ne savais pas que ça pouvait la déranger. Sarah, s'il te plaît, pardonne-moi et reviens. Ogoné, s'il te plaît, pardonne-moi. Sarah! Chizaram! Hey! Sarah, s'il te plaît, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Hey! Comment est-ce qu'elle est arrivée ici? C'est une longue histoire. Moi, Sarah, s'il vous plaît, ouvrez-moi la porte. Sarah, que fais-tu ici à cette heure de la nuit? C'est une longue histoire, maman, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que c'est passé? Sarah, hey, mon Dieu, Sarah, elle voulait mourir, Mata. J'étais très en colère, c'est pourquoi je ne te l'avais pas dit. Je ne pouvais pas croire que tu étais capable de faire ça. Voilà ce qui s'était passé. Aouna, s'il te plaît, merci beaucoup. S'il te plaît, je ne sais pas comment te remercier. Merci d'avoir accepté qu'elle reste chez toi. Hein? Ta gentillesse m'a beaucoup surprise. Merci beaucoup. Me remercier? Non, c'est grâce à Dieu qu'elle est ici. Tu sais quoi? Grand-mère ne va jamais changer. Oh, Sarah. Peux-tu vraiment pardonner ta tante? Tantine, je n'ai rien contre toi. Ma maman m'avait dit que c'est notre responsabilité d'être gentil envers les gens qui sont méchants. Oh, Wanemo. Hey, tu es toujours gentil envers moi. Hein? Même après tout ce que j'ai eu à te faire, ton amour est toujours en haut. Choi! C'est ce qu'on appelle amour inconditionnel. Ça me va au cœur, oh. Hey! Merci énormément, ok? Tu es vraiment telle que ta mère Ogoné. Tantine, ce n'est pas inconditionnel, mais plutôt inconditionnel. D'ailleurs, tu n'es pas méchante. Tu as juste de l'amertume. Et je pense que tu vas changer. Inconditionnel? Hey! Allez, hey,
Merci énormément, ma fille. Oh. Hey! S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Je veux que tu m'aides à arranger ma grammaire et ses mauvais comportements que j'ai. Écoutez-moi ça. Écoutez ça. Je serai contente. Merci énormément. Oh, s'il te plaît, je peux partir avec elle maintenant? Oh non, pourquoi ne pas la laisser s'éloigner? Tu pourras la récupérer maintenant. Hey. Je sais que tu as beaucoup changé. C'est pourquoi je voulais la voir en premier. Parce que mon plan était de la récupérer comme ma sœur. Hein? Oui. Alors, okay. Si jamais j'entends encore quelque chose, tu verras ce que je vais faire. S'il te plaît, j'ai changé. Comment puis-je faire souffrir ma vie moi-même? Est-ce que c'est vrai? J'ai changé. Zaramo, as-tu mal à la tête? Hein? A-t-elle mangé? Oui, déjà. Merci. Tu es contente? Tantine, tu es là? Tantine? De quoi penses-tu? À beaucoup. Je sais que je suis qu'une enfant, mais je suis prête à aider si seulement tu partages tes problèmes avec moi. T'inquiète, ok? Tout va très bien se passer. Comment vas-tu? Je vais parfaitement bien. Ma tête ne fait plus mal. Oh, c'est bien alors. As-tu mangé? Ah, tontine, je viens à peine de manger. Oh. Ok. Mais n'existe pas de me demander ce que tu veux. Oh. Ok, tontine, mais ce n'est pas exister. Mais plutôt hésiter. Hésiter. C'est bien. Aouna. Qui est là? Oui, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Vite, s'il te plaît. Oh. Je suis venue te voir. Dépêche-toi. Je suis là. Ça, c'est quelle tête? J'espère que tout va bien. Ma soeur, tout ne va pas bien. Oh. Hey, j'ai appris que Uche s'est mariée. Je l'ai aussi entendu. Hey. Mais tu n'as aucun problème avec ça. Ne me dis pas que tu l'aimes. Je l'apprécie. En effet, je l'aime même. Hey! Oh mon Dieu, je l'avais repoussé. Je l'avais repoussé. Oui, tu l'as fait. N'est-ce pas que tu me disais tu n'es pas intéressée à lui? Qu'est-ce que tu peux me conseiller maintenant? Je ne voulais pas seulement cohabiter avec un homme pauvre. Mais maintenant, j'ai compris que l'amour est plus fort que l'argent. Hein? S'il te plaît, Aouna, aide-moi. S'il te plaît, oh. Bien. Je l'ai appris des commères du village que c'est Démé qui va se présenter. Hey. Pourquoi ne pas essayer de lui parler? C'est ce que tu dois faire. Aouna, après tout ce que je lui ai fait, hey, après tous ces mots mauvais que je lui ai sortis, il ne va même pas m'écouter. Hein? Il ne va pas te tuer. Hey. Va vers lui. Va, essaye de lui parler. Tu m'entends? Hey, avec ma bouche là. Non. Hey! Hey! Qu'est-ce que je vais donc faire? Hein? Hey! Uchi, s'il te plaît, écoute-moi, non? Mata, qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? S'il te plaît, Uchi, écoute-moi. Que je t'écoute après m'avoir beaucoup insulté. Crier sur moi un pauvre malheureux, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Uche, je suis appartement désolé pour t'avoir traité pauvre. Je le suis. Attends, tu voulais dire particulièrement désolé? Oui. Ou j'écris comme si tu as dit appartement désolé. Mais tu me disais que je parle mal français. Hein? Tu peux imaginer. Uche, tu n'es qu'un réparateur ordinaire. Hein? Je ne crois pas que tu connais parler bon français. Pas du tout. Écoute, hein? Ça là n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas vraiment grave. Tu continues à m'insulter au lieu de me présenter tes excuses. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais minimise. Tu dois apprendre à ne plus minimiser les gens, Mata. Apprends ça. Mais je n'ai
qui est la vérité, non? Pour ton information, tu sais que j'ai un diplôme de l'université. Oui, je l'ai. Quand j'ai quitté ce village pour aller apprendre la mécanique, mon boss était gentil et il m'avait permis de faire l'université. Attends, es-tu en train de me dire que tu es licencié? Oui, j'ai fait la linguistique pour ton information. Hey! Donc, bien. Je suis illettré. C'est ce que tu es clairement. Je suis désolée. Désolée de t'avoir traité de cette façon. Hein? Waouh, c'est déjà tard. Je vais aller bientôt donner la dot. Alors, je te verrai après. Je suis désolée. Je te verrai après. Où tu es? Attends d'abord, non? Où tu es? Où tu es, s'il te plaît, écoute-moi, non? Je suis très désolée. Bye, 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 bye. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Zara. Comment vas-tu? Bien, monsieur. C'est Chizaram. Mais comment connaissez-vous mon nom? Je ne vous ai jamais vu avant. Ça ne doit pas te surprendre que tout le monde connaisse ton nom. Comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas, tu le sauras très bientôt. D'accord? Où se trouve ta tutrice? Est-elle là? Non, elle n'est pas là. Elle reviendra un peu tard, mais tu peux me laisser le message. Dans ce cas alors, garde cette enveloppe pour elle. Dis-lui que ça provient de l'ONG Briseur des Limites. S'il vous plaît, quel est votre nom? Mon nom c'est Monsieur Ejike Elemo. C'est bien, monsieur. Ok. Ok. Bye. Bourse d'études. Et un appartement en ville, y compris 10 millions de naira. Hey! Attends. Qu'on ne puisse pas se réjouir beaucoup, hein. Attends d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné une maison, une bourse et aussi l'argent? Tout ça, c'est une grâce au... Tu as raison. Hey. Mais, alors si c'est vrai. Comme ça, nous sommes riches. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de savoir comment payer mes études universitaires. Hey! Zara, viens vite. Hey! Zara, tu sais quoi? J'ai pris que ça soit vraiment vrai. Hey! Je suis patient de voir vraiment que ce que tu dis là est vrai. Hey! Viens. Zara. Ah, Mata, comment ça va? Uche, comment vas-tu? Non, ça va bien. Bienvenue. Merci, comment ça va toi? Je vais bien. Oui. Je vais prendre une chaise pour non, toi. Non, ne t'inquiète pas, laisse-moi les prendre moi-même. Ok, prends juste à côté de la porte. D'accord. Oh. Oui, je vois que tu es occupé. Oh oui, je suis en train de revoir mes matières. C'est tellement très dur que ça me rend un peu folle. Ah, je vois que tu fais la prononciation des mots exacts. C'était presque devenu comme une maladie pour toi. Zara est en train de m'enseigner. Ah. La vérité est que je ne suis pas surpris. D'après moi, j'ai toujours cru que tu es une personne gentille. Merci énormément. Je suis contente de l'entendre. Mais je suis surprise de te voir ici parce que je sais que hier tu t'étais déjà mariée et je me demandais pourquoi est-ce que tu es là. Franchement, je n'avais aucune cérémonie de mariage. Comment? Et je n'ai jamais eu l'intention de me marier à une autre femme que toi. Attends, je ne comprends pas. Parce que tout le monde ici dans ce village était en train de dire quand est-ce que toi et cette femme devaient vous marier hier. Ça, ce n'est pas vrai. S'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois que tu m'avais chassé de ta maison, je pensais comment faire pour trouver une solution pour attirer ton attention. Ce qui est mal avec les femmes. Je sais qu'elles peuvent avoir un amour excès de l'homme, mais elles ne peuvent jamais le manifester. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette fille me donne son attention? Oui, un plan parfait. Il faudrait qu'elle sache que je vais me marier à une autre femme, comme ça elle va me donner son attention. Si elle ne l'a pas fait, je comprendrai qu'elle n'est pas faite pour moi. Mais comment faire pour qu'elle croie à ça?
Je pense que je vais dire à Emeka que je me marie. J'ai confiance qu'elle fera pour moi le reste. Est-ce que tu peux te marier à un réparateur de moto? Oui. Je m'en fous si tu es un réparateur ordinaire. Je m'excuse même de l'avoir dit. Oh. Si tu peux enseigner une femme moins intelligente comme moi. Ça, c'est très bien. Merci énormément. Ah, je t'en prie. Ça va. Bonsoir, tonton. Oui, j'ai... bonsoir. Bonsoir, tontine. Bonsoir. Je suis très contente de ces jours. Merci, oh oui, Zara. Tu peux le dire encore. Je peux te dire un secret? Oui, dis-moi. Je t'écoute. J'ai toujours ta lettre. Ah. Merci, Zara. Wow, c'est très bien. Ça demande une célébration. Oui, oui. Oui, on peut aller à l'intérieur. Est une récompense d'excellence nationale qui lui est donnée par l'ONG Briseur de Limites. Et c'est ce qu'elle a bien mérité. Ma chère, j'ai entendu ce que tu fais chez plusieurs enfants. Malgré que je l'ai confirmé chez M. Idike qui est ici. Mais après avoir fêté tous les documents qui m'est parvenu, j'ai décidé de venir voir la fille en question moi-même. C'est pourquoi je suis ici. Merci énormément. J'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment très honte de l'accepter. Je devais faire ses devoirs moi-même. Elle est vraiment un enfant spécial. Et elle ne l'a même pas fait avec l'aide d'une grande personne. Tu es chanceuse de l'avoir. Nous lui avons aussi accordé une bourse qui atteste notre engagement dans ce qu'elle fait. Oui, félicitations, Zara. Que Dieu te bénisse, monsieur. Que Dieu te bénisse, madame. Que Dieu bénisse votre organisation. Je suis vraiment honorée. Viens, 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 ma chère, viens. Oh, ma chère, tu sais que tu es une fille vraiment spéciale. Je prendrai bien soin de toi. S'il te plaît, ma chère, prends bien soin d'elle. Nous allons revenir pour parler. Hein? Merci énormément d'être venue. Je vous dis merci. Je reviendrai pour toi. Hein? Je le fais, maman. Je souhaite que tu sois là. Tu me manques beaucoup, maman. Je sais qu'elle sera très contente de toi, peu importe où elle se trouve. Peux-tu arrêter de regarder ta mère de cette façon? Tu veux dire que je peux t'appeler maman? Bon, maman, ou peu importe ce que tu veux. Tu n'es pas anti-Okili jamais, maman. Tu sais, certaines choses ne me disent plus rien. Ma nomenclature est parmi elles. Maman, c'est nomenclature. Hey! Allez-le. Et c'est encore quoi là, hein? Hey, mon Dieu! Nomenclature. Clature. Oh! Nomenclature. Oui. Hey! Zara Mwamo. Approche. Hey! Zara! Dis-moi! Depuis quand es-tu de retour? Tu parais grande maintenant, citadine. J'apparais vraiment comme tu le vois. Tu as vraiment de vrais yeux pour voir cela.
Je viens à peine d'arriver et je suis venue voir ma meilleure amie. Oh, c'est vraiment gentil de ta part. Attends-moi, j'arrive. Mets-toi là. Je suis très contente de te voir. Et plein de trucs se sont passés. Je l'ai entendu. Tu vas bien maintenant. J'ai entendu ce qui t'est arrivé. Je veux bien maintenant. Désolée car je n'étais pas présente. Je veux très bien maintenant. As-tu attendu pour notre scolarité? Oui. Et je suis très heureuse. Je sens comme si je rêvais. Mais attends, et si je rêvais alors? Ah! Pourquoi ça, non? C'est-à-dire, nos rêves commencent à se réaliser. Tu seras l'ambassadrice et moi, je serai une avocate. Oui! Oui! Je suis tellement heureuse. Je mérite cet accomplissement, Zara. Non. Nous avons fait que cela arrive. Mère amie pour la vie. C'est comment pour ta tante? Tu veux dire ma maman? Non, je dis... Je sais de quoi tu veux parler. Tu peux l'appeler ma maman maintenant. C'est vrai que ma vraie mère me manque. Mais elle m'a laissé avec une deuxième mère. Et une amie aussi. Merci à toi, Dima, d'être mon amie. Mère amie, pourquoi? La vie. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Oh, da, 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 da. Of courage and wisdom higher than our age. She's a shining star. Zara is a excelling even in